Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Gilles, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez apporter du piment à vos accompagnements piano dans des styles pop, variété, ballade et autres, en bluesifiant votre jeu. Alors, on va utiliser deux gammes. On va utiliser la gamme pentatonique majeure, qui correspond à la tonalité générale du morceau de la grille que vous jouez. Donc là, on est dans le cadre où on ne joue pas une grille de blues. On est vraiment sur une grille plutôt dans un style variété. Et donc, on va utiliser la gamme penta majeure qui correspond à la tonalité générale de votre morceau. Donc do, ré, mi, sol, la, si on est sur un morceau en do majeur. Et on va combiner cela avec les notes de la gamme blues, donc c'est la gamme d'improvisation qu'on utilise dans le blues, qui est donc, si on joue une grille en do, do, mi bémol, fa, fa dièse, sol, si bémol. C'est-à-dire, ce sont les notes de la gamme penta mineure de do, et on rajoute le fa dièse qui est la blue note. Et l'idée, ça va être de chercher des phrases autour de ces deux gammes et de les introduire dans votre jeu, dans vos accompagnements. Et vous allez voir que de suite, ça va bluesifier votre jeu. Attention de ne pas en abuser. Il faut l'utiliser avec précaution et bien sentir la chose parce que ça peut être aussi un petit peu maladroit. Donc, on va prendre un exemple concret sur une grille autre que le blues. On va jouer la grille suivante. Donc, Do majeur 7 pendant 4 temps. Donc, on n'est pas du tout sur un blues là avec les notes Do, Mi, Sol, Si. Ensuite, Ré mineur 7 avec les notes Ré, Fa, La, Do. Ensuite, Mi mineur 7 avec les notes Mi, Sol, Si, Ré. Et on va revenir sur Ré mineur 7 avec les notes Ré, Fa, La, Do. Voilà. Et donc à la main droite, on va utiliser soit la gamme penta majeure, soit la gamme blues, ou combiner les deux. Et l'idée, c'est de chercher des phrases autour de ces deux gammes. Donc en gros, je combine les notes de la gamme penta majeure avec les notes de la gamme blues. C'est à vous de jouer. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis deux autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.